Bonsoir à tous, bonsoir à tous sur la PMU TV. Bonsoir François. Salut, salut, salut à tous, salut Flo. On vous retrouve pour la table finale des Texas Club, la compétition Texas Poker Club Series des clubs associatifs, une compétition 100% gratuite qui s'est déroulée toute l'année sur PMU.fr. Alors, si vous ne nous connaissez pas, moi c'est Florence Mazet et François Lascourège, le directeur d'exploitation chez Texas Poker, qui va nous dire tout de cette compétition. Et on va vous faire vivre cette finale en 6 max, donc 6 joueurs restants, avec à la clé un ticket 1000 euros pour le championnat de France de poker au Pasino Grand d'Aix-en-Provence. On va vous en dire plus sur cette compétition aussi tout au long de la soirée. Et on va commencer par saluer tout le monde qui nous rejoint dans le chat. On voit quelques joueurs qui vont disputer cette finale. Chartax, notamment, il est parmi nous. On va le présenter un petit peu plus tard et on va vous en dire plus sur la compétition d'abord pour commencer, François. Ouais, carrément. Alors du coup, c'est la troisième année qu'on fait cette compétition. C'est une compétition qui est 100% gratuite. Ça, c'est très, 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 très important parce qu'on veut participer avec Texas Poker au développement du poker, du monde amateur. Et partir de zéro, ben, c'est la base du poker. Du coup, les Texas Clubs suivent cette ligne de conduite déjà depuis 3 ans en partenariat avec PMU. Et donc, c'est la troisième finale qu'on organise aujourd'hui des Texas Clubs. Troisième finale. Exactement. Et cette année, c'était une édition un peu particulière depuis le début de cette compétition. Il y a toujours un thème chaque année. Et cette année, c'était le thème du championnat de France de poker, divisé en différents championnats à l'image des quatre épreuves principales du championnat de France. Donc du 6 max, un premier championnat, du heads-up, du PLO et du 8 max pour terminer. Toutes ces compétitions ont distribué de nombreux tickets. Je vous invite à aller voir notamment sur le site texapoker.net, rubrique news. Vous cliquez sur associatif et vous avez tout le détail de tout ce qui s'est passé depuis le début de la compétition avec un résumé de tous les championnats. Et puis dans l'onglet leaderboard aussi, vous avez tous les résultats jusqu'à présent avec déjà de très nombreux tickets qui ont été distribués, François. Oui, exact. Donc, du coup, comme tu l'as dit, c'était un peu complexe cette année. On était tout autour du championnat de France. C'est l'un des plus gros projets que Texas Poker a entrepris sur ces dernières années. Et on a profité donc, du coup, de cette compétition pour les mettre à l'image du championnat de France. Bien évidemment, les années précédentes, on était sur des systèmes qui étaient un peu plus simples. Il y avait la première année, par exemple, il y avait deux championnats avec un fil rouge pour la finale. L'année suivante, il y avait une partie avec de l'interclub. Et cette année, oui, c'était complexe parce que du coup, on voulait retransmettre entre guillemets les quatre épreuves qu'on va avoir donc du coup en septembre. Quatre épreuves où on va élire des champions de France de poker. Chaque champion de France, en plus du prize pool, aura en plus un package à 12 000 euros pour participer au WPT World qui a lieu à Vegas en décembre. Et là, aujourd'hui, les Texas Clubs reprennent donc quatre championnats. Avec à 100% gratuit. Et avec chaque championnat, il y a eu un vainqueur, un gagnant qui a gagné un ticket à 1 000 euros pour le championnat de France pour participer à l'épreuve auquel il souhaite. Alors, il y a eu un petit incident technique qui a fait qu'il y a eu un championnat bonus. Donc, en fait, au final, il y a eu un qualifié en plus à 1 000 euros pour le championnat de France. On a eu 5 du coup championnats, 5 qualifiés pour le ticket à 1 000. Et là, ce soir, on aura donc notre sixième qualifié. Ça sera le vainqueur de cette étape finale. Le vainqueur des 6 joueurs qui sont présents ce soir que l'on va suivre. Donc 6 joueurs partant de zéro, de zéro, 6 joueurs qui vont amener au championnat de France en septembre, du 7 au 17 septembre à Aix-en-Provence. Et ouais, et c'est intéressant pour être souligné. Donc, il y aura effectivement 6 qualifiés pour le championnat de France. Donc, 6 tickets 1000 euros distribués en tout. Et de très nombreux tickets à 250 euros aussi, TPS Live, qui ont été distribués durant tout le championnat. Ce soir, le deuxième et le troisième, vous pouvez le voir sur le lobby, repartiront avec un ticket 250 euros. Et tout au long de l'année, de toute façon, ces tickets 250 euros, il y en a énormément qui sont distribués, à la fois sur les promotions comme on fait, les TPS Online aussi, et puis les satellites qui ont lieu tous les mardis et jeudis sur PMU.fr. On a d'ailleurs Balou Boy dans le chat qui est un sacré habitué de ces tickets. Donc voilà, les gains jusqu'à présent, des euros de tournoi. Et les belles places live à partir de la troisième place.
Alors, dans 4 minutes, la finale va commencer. On va avoir le temps, du coup, de vous présenter juste avant nos qualifiés pour cette finale. Exactement. Donc, du coup, en tant que chip leader, on a Rico Pock. Rico Pock, c'est Eric. Il fait partie de l'association Les Vainqueurs. C'est une association, entre guillemets, c'est plutôt une communauté de joueurs. Lui, il est de l'Ouest parisien à Meslin. Il attaque la finale avec un très, 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 très gros stack comparé aux autres, surtout. Oui, on nous disait qu'a priori, la pré-TF avait duré très longtemps. Donc, je pense que Rico a dû se faire plaisir sur cette pré-TF. Et avant d'attaquer cette finale, il y a un autre joueur qui est du même club qui est avec nous là dans le chat. Chartax, Maxime de son prénom, qui lui aussi est des vainqueurs et qui va attaquer dans un stack un peu plus médian avec... Tous les autres joueurs ont entre 12 et 18 blindes, à part Rico Pog, du coup, qui va attaquer avec un très gros chip lead. Exact. Et en deuxième, on a Da 35 vide 50. Donc ça, c'est David. Ça se devine un tout petit peu dans son pseudo. Et lui, il a 982 000. Et c'est un joueur qui est de Rennes, un club qui suit la compétition depuis longtemps, depuis la première saison, en fait. Avec le Poker Club Avranches. Donc, c'est un petit club près de Rennes. On salue tous nos amis bretons et tous les joueurs près de Pornic, parce qu'à Pornic, on fait beaucoup de tournois Texas Poker et PMU également. Très grosse communauté de joueurs de poker à Pornic. Et je te vois, Bacchus et Balou Boy dans le chat. Attention, pas de bêtises. Ils font des câlins dans le chat. C'est trop mignon. Ensuite, en troisième position, on a Saxe40, Patrick de son prénom, qui vient du sud-ouest, lui, Casté Poker Club, près de Dax, si je ne dis pas de bêtises, du coup. Il va attaquer avec 923 000 jetons, donc troisième en stack. Plutôt bon stack encore, il y a de quoi faire, hein, 18 blindes, on n'est pas short dans ce type de tournoi. Chartax, on en a parlé, donc 892 000 jetons. Attends, moi j'ai un petit mot sur Patrick, parce que Patrick, je le connais bien. Je le connais depuis des années avec sa femme Marie et leur fille qui joue en associatif depuis vraiment très très longtemps dans tout le sud-ouest. Et moi, je suis issu du sud-ouest, de Gujan-Mestras. Et Patrick et Marie et leur fille participent au Gujan Club Series à l'époque. Donc ça remonte, hein. C'était des tournois gratuits. Et pour les clubs associatifs que l'on a créés avec le casino à l'époque où je n'étais pas chez Texas Poker. Et du coup, je suis très content de le voir sur cette finale. Et je vais vous dire que par lien de région, c'est mon favori. on va voir comment il s'en sort. Chartax, alors on en a parlé, Maxime du club Les Vainqueurs, qui est pour le coup, lui, du sud-est plutôt, donc comme tu l'as dit, une communauté de joueurs, Les Vainqueurs, donc deux qui ont placé quand même deux joueurs en finale. Donc il va falloir aller les chercher, hein, parce que là, on a des gros favoris en termes de cotes. Ensuite, on a nos deux plus petits tapis, Gestini, Yannick de son prénom, qui vient de Bretagne, Oldham Brest Poker Kerouan, près de Brest. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur ce club. Lui aussi, je crois que c'est un club qu'on voit souvent dans nos compétitions. Exactement. Depuis la première saison, le Oldham Brest, ils sont présents, ils sont actifs. Ils sont actifs sur le Discord aussi, beaucoup. Alors, le pauvre, il est Brest, je ne sais pas si c'est le pauvre ou pas, il ne doit pas boire beaucoup le soleil là-bas, mais bon, il n'y a pas un gros tapis, mais on lui souhaite d'aller loin. Alors, la table s'est ouverte normalement, je ne sais pas si tu peux nous mettre, Bacchus, la table. Je l'ai ouverte devant moi, ça va commencer dans un petit instant, le temps de vous présenter le dernier joueur de cette finale, Romano3344, Romain de son prénom, qui sera donc notre short stack officiel qui vient du club Cartes sur Table, et qui lui aussi un joueur du sud-ouest, l'ouest particulièrement bien représenté dans cette finale, François. Ouais, c'est clair. Et Romain, on le connaît depuis longtemps aussi, c'est un joueur associatif. C'est mon deuxième favori, on va dire. Alors, est-ce que la table s'est ouverte? La table s'est ouverte, le tournoi devrait commencer, je ne vois pas pour l'instant. Chez moi, il est 20h45, ça devrait pas tarder, on va pouvoir suivre ça. On va rappeler le payout jusqu'à présent. Le sixième joueur remportera 75 euros en euros de tournoi, 75 T euros. Puis ce sera 100 euros,
150 euros pour le quatrième. Le deuxième et troisième, un ticket 250 euros Texas Poker. Et enfin, le grand vainqueur, évidemment, son ticket pour le championnat de France. Et voilà, ça y est, les cartes ont été distribuées. C'est parti tout de suite. Alors, je ne sais pas si tu nous as mis... Est-ce que tu peux nous mettre en blinde la table, s'il te plaît ? Ce sera plus simple à suivre. Hein. Bacchus, comme ça, vous pouvez suivre aussi avec nous. C'est toujours plus simple, cette histoire de blinde. Bonsoir à Phoenix29 qui est dans le chat, un des vainqueurs de cette compétition, si je n'ai pas de bêtises, hein, dans le passé. Je crois bien. Alors, on verra pas. Excusez-moi pour les Bretons. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il y a du soleil en août en Bretagne. Embêtez nos amis Bretons. Il doit faire très beau, c'est la meilleure période. Au moins, on sait qu'il ne fait pas 45 là-bas. On peut aller, on est à 25 tranquille. Ça doit être beaucoup plus sympathique le mois d'août en Bretagne. Et on a notre short stack qui a déjà pris un pot hein, quand même. Hein. Ouais, alors en fait, il a open la moitié de son stack, je crois, pour se laisser la possibilité de fold. Donc, il y a de plusieurs tapis derrière lui. Et il a pris le pot, donc il s'est mis pas mal. C'est Gestini, il est repassé à... C'était pas le short stack officiel, c'est toujours Romano. Ouais, deuxième. Mais il est revenu à 15 blindes, donc ça peut aller vite. Hein. On voit donc 7 blindes pour Romano. 35 pour Rico, pareil, hein, il ne va pas pouvoir se permettre de perdre trop de pots, Rico, parce que s'il fait doubler ses adversaires, tout est relancé. On a Gestini qui est au bouton et qui ouvre sur la blinde du short stack Romano et ça passe pour l'instant. Tant qu'on a un petit peu moins d'action, François, on va pouvoir en dire un petit peu plus peut-être sur le championnat de France. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, alors on vous en a déjà parlé. On vous en a beaucoup parlé depuis un an. C'est un peu un grand projet de l'année hein, pour Texas Poker et un projet qui tient à cœur, évidemment, à Apo Chandis. C'est son bébé. Ça fait longtemps qu'il nous en parle. Et cette année, c'est devenu un peu la réalité. Et ça va être dans un mois à peine, du 7 au 17 septembre, au Pasino Grand d'Aix-en-Provence. Une très grande fête du poker avec quatre épreuves principales. Exactement, donc du coup les quatre épreuves, l'idée étant de reprendre un petit peu, ben, on va pas se cacher, les WSOP, avoir un titre élogieux pour les joueurs, d'avoir une compétition vraiment annuelle qui est marquante pour tout le poker en France. Donc dans les quatre épreuves que tu as listées, la première c'est le 6 Max. Le 6 Max, c'est très compliqué d'organiser ça en France parce que ça coûte cher. Donc là, du coup, le buy-in, il est adapté aussi par rapport à ça. Mais on a une belle structure. Les joueurs commencent avec 50 000 jetons. On est sur 40, 50, 60, jusqu'à 70 minutes sur la table finale. C'est une grosse structure. Et ouais, voilà, ça va être une des structures les plus belles en 6 max, hein, ou la plus belle, franchement, en France. On peut le dire, hein, clairement. Ça, souvent, c'est des structures... C'est des jolis tournois, les 6 max, mais c'est vrai que c'est souvent des structures rapides. Là, on va avoir droit à une vraie structure profonde où ça va pouvoir jouer. Et outre le fait d'avoir une belle structure, parce qu'on a l'habitude, nous, d'organiser ce genre de belle structure, là, c'est vraiment d'avoir ce petit marque. C'est vraiment ça le point central, entre guillemets, des épreuves. C'est que là, on se permet de proposer quelque chose d'extrêmement rare et qui est donc du coup ce 6 max, parce que dans notre gamme de tournois, on ne fait pas ce genre de tournoi parce que c'est trop compliqué à organiser. Là, on a beaucoup de tables, on est dans une salle qui est gigantesque dans le casino d'Aix. On a tous les moyens qu'il fait pour organiser un très, 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 très beau tournoi. Et donc, du coup, on le rappelle, le vainqueur, il sera élu champion de France de poker. C'est un titre qui sera à la grandeur de l'événement, en plus d'un trophée, d'une médaille pour le deuxième et le troisième aussi, et le vainqueur, en plus de ça. Donc ça, c'est offert par Texas Poker et le Pasino d'Aix. On l'invite pour le WPT World Championships qui a lieu à Vegas en décembre. Donc c'est un des nouveaux partenariats de Texas Poker. Le plus gros tournoi de l'année, tout simplement, on peut le dire à ceux qui nous écoutent, ça va être le plus gros tournoi au monde de l'année, derrière le main event WSOP évidemment. Mais l'année dernière, ça a fait pour une première, ils ont fait des scores incroyables. Toute la planète poker va être réunie et il y aura de nombreux qualifiés Texas Poker, puisque outre les quatre champions de France, les trois vainqueurs WPT Prime de cette année ont pris leur ticket pour cette épreuve, et les sept qualifiés des épreuves direction WPT, il y en a encore des prochaines à venir, il y en a quatre encore à venir. On vous donnera toutes les infos sur texapoker.net en fin de semaine, mais ça va être effectivement un énorme tournoi et l'occasion pour vraiment très peu
d'argent d'aller disputer un énorme tournoi à 10 400 $ à Las Vegas, au Wynn, le plus bel hôtel. Imagine le jump, imagine un gars des Texas incroyable. Gratuit, free roll. Il prend son ticket à 1000, il vient sur le championnat de France, bam, il tape le tournoi à 1000, il tape le ticket à 10 000, il va à Vegas. Bah, c'est tape, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Complètement, évidemment. Elle est complètement. C'est ce qu'on espère. On espère vous suivre le plus loin possible sur ces belles épreuves et surtout et derrière à Las Vegas, évidemment. Donc, un package d'une valeur de 12 000 $ environ. Pour, donc il y a le ticket à 10 000 des nuits d'hôtel au Wynn et l'accès lounge VIP. Exact. Pour les vainqueurs, pour les quatre champions de France, donc le vainqueur du Heads Up, du PLO, du 6 Max et du 8 Max. C'est du 7 au 17 septembre au Casino Grand d'Aix-en-Provence. Pour ceux qui ne connaissent pas ce casino, vous faites une énorme erreur de ne pas le connaître. C'est là où on mange le mieux, je pense, en France, clairement. Ah ouais, on mange un peu trop. Un buffet incroyable. Oui, bon, il faut être prêt à prendre quelques kilos. Hein. Vous êtes prévenus, parce que 10 jours là-bas, ça va faire mal. Mais ouais, vraiment, on y mange extrêmement bien. Le casino est super interactif. Il y a une ambiance très festive. C'est vraiment tout est fait pour, ben, pour les joueurs d'un côté, mais aussi ben, pour les joueurs de poker, on est particulièrement bien accueillis. Donc, ça m'a atteint. Justine, troisième fois à tapis. Il arrive-t-il juste avant la start de David. À tapis, c'est passé. Mm-hmm. Et là, David a open avec un très petit stack. Tapis de Justine, Sax 40 qui réfléchit, deux bébés. Et on peut parler du heads-up aussi. Hein. Le heads-up, c'est une épreuve qui est unique. Parce qu'en France, on n'a jamais ce genre de tournoi. Parce que, c'est passé. Justini qui prend ce pot et qui remonte deuxième en stack, François. Ouais, et David, il est passé de deuxième à cinquième. Hein. Il a pris deux coups, cher. Romano, pour l'instant, n'a pas joué. Donc, il est resté à 5 blindes. Il va falloir bouger un peu pour les short stacks. On attend de voir cette main. Et ensuite, on va reparler effectivement du heads-up. C'est un peu une épreuve inédite, hein, enfin, à ce tel niveau en France, aussi grosse, organisée, 128. C'est pas 128 joueurs. Oui, c'est inédit pour 128, parce que le dernier heads-up qu'on a eu en France, c'était les WSOP circuits au cercle Clichy-Montmartre. Donc, ça remonte à quelques années. C'était moins de joueurs. Ça sera unique, donc 128 joueurs. Donc, et on joue, donc c'est 20 000 jetons de niveau de 20 minutes sur le day 1. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'à la demi-finale, donc soit 4 joueurs. Et au final day, du coup, il y a un gros changement. Et ça, par contre, c'est inédit. La demi-finale sera jouée en deux matchs gagnants. Donc, ça ne sera pas une élimination directe sur la demi-finale et la finale. Et ça, par contre, ça, c'est inédit. C'est quelque chose qui se fait dans les jeux vidéo énormément, dans les tournois de jeux vidéo. Ça ne se fait jamais dans le poker live. Même au WSOP, ils ne font pas ça. L'objectif, ce n'est pas de faire mieux que les autres, c'est de faire quelque chose de vraiment différent. Ah, on est à tapis. Tapis payé, c'est Romano, le short stack, qui va jouer un flip pour sa survie contre As-Roi et qui gagne. Romano qui va doubler de 5 blindes. Il envoie des cartes à la river. À 12 blindes. Il en jouait des cartes à Patrick. Hein. Tu fais trop de bruit, François. Il faut faire moins de bruit. Ouais. Ça va, nous, on n'est pas couchés encore ici, ça va. Romano qui double à 12 blindes et c'est Sax 40 désormais le short stack officiel avec 5,4 blindes. David qui est en SB avec ses 7,7 blindes qui va devoir peut-être bouger. Alors, ce qu'il va choisir de le faire tout de suite. Non, il va laisser un walk à Justini. Justini, le grand gagnant pour l'instant de ce début. Sérieux, ce début, exactement. Et on est déjà en pause. Bah oui, ça a repris à 20h45. Ils nous font déjà une petite pause. Aucun sortant dans ces premières 10 minutes. Et ça a bougé pourtant. Et ça a bien bougé, exactement. Du coup, bah, je pense qu'on peut quand même rester en live, hein, parce qu'on ne va pas partir déjà. Ouais, c'est clair. Et on va pouvoir parler du PLO, on peut revenir sur le PLO. On peut parler des différentes épreuves. N'hésitez pas si vous avez des questions, vu que vous êtes avec nous, vous n'êtes pas très très nombreux, donc on peut y répondre facilement. N'hésitez pas à nous demander tout ce que vous voulez savoir sur Championnat de France, sur
les prochaines promotions sur PMU Texas Poker. Et puis, on vous donnera toutes les infos. Et puis, évidemment, vous pouvez aller sur notre site. On vous donne toutes les infos. Et sur nos réseaux sociaux, Texas Poker, n'hésitez pas à les suivre. Vous êtes des fidèles de PMU TV, donc vous suivez déjà tous les réseaux PMU. Venez suivre aussi les réseaux Texas Poker. On sera très contents. Le PLO, du coup, François. Ouais, le PLO. Donc, encore une fois, là, on est dans une épreuve qui est quand même très, très, très particulière parce que le PLO n'est pas un jeu qui est très, très populaire en France. Déjà, il y a quatre cartes. Il y a le pot limite qui est du coup un peu particulier. Les règles ne sont pas forcément assimilées par tous les joueurs et je pense que les joueurs de poker en France ont vraiment cet aficionado et du hold'em. Et on a peu de joueurs sur les tournois PLO en France. Pas par manque de. C'est pas l'effet il y a peu de joueurs, je ne joue pas. Non, c'est plus l'effet, la majorité du temps, c'est ce manque d'initiation au PLO. Qui fait que on a des peu de fréquentation sur le PLO. Mais on a des fidèles quand même. Il y a des joueurs qui vraiment c'est leur variante de prédilection et qu'on voit dès qu'on en organise. Souvent on nous demande quand même un PLO, d'avoir un PLO sur chaque festival. Donc il y a vraiment des fidèles de ce format. Oui, on essaye quand même de proposer quand même ce PLO sur certains festivals pour justement qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et donc du coup la structure du PLO. Elle est tout aussi exceptionnelle. C'est une grosse structure sur deux jours. On joue 50 000 jetons, 40, 50 et 60 minutes. Donc ça, c'est assez unique. Et petite nouveauté sur ce PLO, la règle de l'anté. On a l'habitude online de jouer avec des antés classiques. On a l'habitude en live de ne pas jouer ces antés par rapport au compte de pot qui est plus complexe. On ne joue pas les antés aussi parce que du coup, c'est plus agressif. Que ce soit pré-flop, voire même post-flop. Là, la particularité, on a repris la règle des WSOP sur le PLO, c'est-à-dire qu'on va jouer anté big blind, mais l'anté ne sera pas compté dans le pot pré-flop. Donc, c'est assez unique, c'est assez particulier. Beaucoup de joueurs qui maîtrisent bien le PLO nous ont demandé cette adaptation pour l'épreuve de championnat de France, des joueurs qui ont l'habitude de jouer à l'international ou qui ont l'habitude de jouer à Vegas. Du coup, on a suivi les conseils et la demande de ces joueurs qui sont des experts de ce jeu-là. Donc, du coup, ça a été une adaptation qui a été faite entre l'annonce du programme et de la structure et aujourd'hui. Donc, on jouera le PLO. De l'épreuve du championnat de France avec les antés sans le compte préflop. On a notamment eu effectivement nos ambassadeurs, dont notre ambassadeur Bruno Fitoussi, qui nous a parlé un peu de ce qui se faisait un petit peu partout, qui est un des spécialistes du PLO tout simplement. C'est d'ailleurs lui qui devrait vous commenter cette épreuve, la table finale de cette épreuve. On lui souhaite d'être sur la table finale et qu'il ne puisse pas la commenter, mais normalement il vous donnera un petit peu son expertise, Bruno Fitoussi, lors de ce tournoi. Pour le programme complet, il y aura évidemment, outre ces quatre épreuves, des satellites, déjà, au début de la période, pour encore réussir à prendre vos tickets à 1000 euros, des satellites à 150 euros, si je ne dis pas de bêtises, François. Et ensuite, il y aura pas mal de side events pour les plus petits bankrolls aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme. On vous l'a posté un petit peu partout sur le site et sur les réseaux sociaux, parce qu'il y aura des jolis tournois aussi à plus faible coût. Exactement, on est sur 47 tournois quand même sur championnat de France, 10 jours de tournois, mais même sur 10 jours de tournois, même sur un FPS avec l'année dernière par exemple, on était jusqu'à une vingtaine de tournois, enfin pour vous donner l'ampleur vraiment du festival, 47 tournois, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir autant de tournois sur une grille, et pourquoi il y a autant de tournois, c'est qu'on attend autant de monde que possible et on veut en donner pour tout le monde à ce niveau-là. Et en plus de ça, comme tu disais, des tournois pour tout le monde, il y aura aussi quelque chose d'unique, ça sera le Corner Sit & Go. Il y aura des tournois en fait à la demande à partir de 150 euros. Ouais. Allez, on a repris la table, on a la charte qui relance, il est à 3 bébés au niveau de la relance, costaud. Costaud. Donc, du coup, sur le 47 tournois, les Corner Sit & Go, il y aura des Sit & Go à partir de 150 euros jusqu'à 1000 euros. En fait, on aura des tables qui seront dédiées à ce corner pour que les joueurs puissent jouer quand ils veulent. S'ils veulent jouer des petits tournois et gagner du cash assez rapidement,
voilà, ça sera vraiment dédié à ça. Romax, j'ai vu ta question hein, sur le chat, hein, mais concernant tout ce qui est Florida et compagnie, etc., on ne veut pas trop se positionner, c'est un peu particulier, ils ont lancé deux produits, ils sont séparés, voilà, on ne veut pas trop étaler sur le sujet, on va attendre de voir ce qui se passe. Je suis bug. Oui, désolé, j'ai des petits soucis de connexion, ça me déconnecte. Pourquoi le nom Texas Poker ? Par curiosité, pourquoi pas ? Alors, si tu remarques, dans Texas Poker, il y a les trois lettres du centre qui sont très, très importantes, qui sont APO et qui sont l'acronyme, entre guillemets, d'Apostolos, qui est le patron de Texas Poker, le fondateur de Texas Poker, le PDG de Texas Poker. Et du coup, c'est lui qui a donné le nom de la société il y a 15 ans, parce que du coup, on fait les 15 ans. Donc, c'est par rapport au Texas Hold'em, bien évidemment, et par rapport au poker. C'est assez simple. On est à tapis, As 2, contre As 7, il touche le 2 au flop, Sax. Ouh, brelant, full pour Sax. Et on a un éliminé, on a notre 6e, Gestini qui finit 6e. Ah non, pas du tout, excuse-moi, il double, Sax double. Sax 40, Patrick a doublé. Est-ce que tu m'entends, François? Ouais. Moi, Flocho, je t'entends très bien. Ok, je vous entendais plus, désolé. C'est moi, j'ai une petite connexion. Ah, est-ce que les tickets à 250 sont dispo pour le championnat de France? Oui, bien évidemment. Le championnat de France est en partenariat avec PMU et tous les tickets PMU seront disponibles, bien évidemment, pour jouer le championnat de France ou les sites du championnat de France, évidemment. Du coup, tout se resserre dans cette finale, puisque Romano, Sax et David ont désormais 10 blindes, tous les trois. Un petit peu au-dessus, c'est Gestini avec 16 blindes, Chartax avec 18 blindes et Rico Poc toujours devant avec 28 blindes. Et ben, c'est un peu indécis ce début de finale. Combien de tickets à Ballon Boy ? 2. Oui, mais combien il en a gagné ? Ça, c'est une meilleure question. Énormément. Une quarantaine, oui, c'est possible. Hein. Ah, c'est beau. 46. Quel gourmand. 46 tickets. Tu t'es qualifié sur les tournois du mardi ou du jeudi spécialement ou plus sur les TPS online? Sur les TPS online, il y a plus de 2000 euros. Non, pas plus. Il y a 2000 euros de dotation qui est offerte tous les 2 mois. Les TPS online, c'est des tournois qui sont à 5 euros, qui se jouent le mardi, le jeudi et le samedi. Et il y a un leaderboard sur le site de Texas Poker. Et le vainqueur, il gagne 800 euros de tickets. On a Open à Gestini, OSB, 3 bêtes de Rico Poc. Pour en grosse blinde. Tout son tapis. Il ne se laisse pas faire. Et c'est passé. Allez, on va lancer un premier ticket à vous offrir à 10 euros avec un tirage au sort. C'est uniquement, évidemment, si vous répondez, si vous écrivez dans le chat de Twitch, il faut écrire Aix-en-Provence, tout en minuscule, tout attaché, Aix-en-Provence, le lieu du championnat de France de poker du 7 au 17 septembre prochain. Donc, si vous écrivez Aix-en-Provence, tout attaché en minuscule dans le chat, vous êtes éligible pour ce ticket à 10 euros. Alors qu'on a un open de Chartax payé par Rico Poc, les deux joueurs du même club, les vainqueurs, qui ont qualifié deux joueurs dans cette finale, sont en train de s'affronter. Voilà, on voit un petit peu tous nos auditeurs, ils sont présents. Ah, il y en a qui le connaît bien dans le chat, hein. Prenez du plaisir, mais n'oubliez pas d'en donner. Très, très, très important. Et oui, mon Julien, très, très important. Ça, c'est la base du poker. Le poker est un jeu où on joue pour le plaisir et c'est important d'en donner un petit peu. C'est un peu comme le concept de l'agriculteur. Il faut semer pour récolter. Eh bien, c'est pareil. Il faut donner un peu de plaisir pour en prendre. C'est important. Très joli concept. Et on a un changement de chip leader pour la première fois de cette finale. C'est Chartax qui passe en tête. Il vient de prendre ce pot contre Rico Poc, contre son coéquipier en club, et il passe à 23 blindes du coup. Et derrière, Rico, 14 blindes, Gestini, 12,
et nos short stacks avec 7 blindes et 6 blindes pour Romano, David et Sax. Il va falloir trouver un peu d'aide hein, pour nos short stacks là désormais. Toujours on est pas passé sortant, à un autre niveau de blind. Non, toujours pas sérieusement. Ah bah là, c'est que les paliers sont intéressants. Hein. Quand on s'est qualifié pour 0 euros, on a 75 euros d'assuré, 100 euros au cinquième, 150 euros au quatrième. Et le vrai gap là, avec les deux tickets de 150 euros à gagner pour le deuxième et le troisième. Et enfin, le vainqueur qui prendra son ticket 1000 euros qui sera qualifié pour le championnat de France de poker qui choisira l'épreuve qu'il préfère. Alors peut-être que si la personne est dans le chat, on pourra lui demander en direct ce qu'il aimerait jouer et qu'il nous dise un petit peu pourquoi. Mais pour l'instant, c'est indécis. Hein. Tout peut encore changer. Mais attends, on peut faire une autre chose. Vous, dans le chat, là, quelle étape vous joueriez entre le 6 max en hold'em, le heads up, le PLO en 8 max ou le hold'em en 8 max? Il faut nous dire pourquoi aussi. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Très important. On peut parler de la dernière épreuve aussi, Flo. Le 8 max en hold'em, c'est un peu particulier. Alors oui, c'est le dernier, celle qui est en 8 max, la dernière du festival. Certains l'appellent le main event. En fait, oui, c'est une sorte de main event, mais non, parce que c'est le même titre de champion de France. La particularité de cette structure et de ce tournoi, c'est que c'est la même structure que l'APO 2005, qui est une référence en structure en Europe, qui est une des plus belles structures européennes, à 2500 euros. Et là, celle-ci, elle sera accessible à 1000 euros. Et il y aura bien évidemment beaucoup plus de joueurs qu'un APO 2500, parce que bon, on est sur un tarif qui est beaucoup plus accessible, 1000 euros. Et on a beaucoup, beaucoup plus de qualifiés aussi via toutes les opérations qui ont été menées. Voilà. Exactement. On a David qui est à tapis, hein, au bouton avec ses 7 blindes. Et c'est passé dans les blindes par Gestini et Rico. Il va remonter un petit peu à hauteur de Gestini, David. Et effectivement, on attend énormément de monde pour ce 8 Max, pour les tous autres tournois aussi, mais particulièrement pour ce 8 Max. Et c'est aussi dû à cette structure, au final, magnifique structure. Vous pouvez aller voir le programme avec tout le détail pour le détail du nombre de la durée des niveaux et du nombre de jetons. Donc, on va beaucoup vous en parler, évidemment. Mais on sait aussi, on le voit, regarde dans le chat, on voit qu'il y a beaucoup d'amateurs de 6 Max. C'est vraiment un jeu qui est beaucoup apprécié parce qu'effectivement, on joue plus de mains. On peut ouvrir un petit peu plus large. Il y a plus d'action, quoi. C'est un petit peu... Et quand on joue en live, on a envie d'avoir de l'action. Et pour les satellites online, Flo, est-ce que tu as les infos à donner au chat pour se qualifier sur une épreuve à 1000 euros? Il me semble qu'il y a des satellites tous les lundis, non? C'est bien ça? Exactement, et surtout, alors les satellites, c'est un super sat à 125 euros qui, pour l'instant, offre un package garanti, mais comme il y a un vrai succès sur ce satellite, sûrement que ça va grimper à 2 très prochainement. Donc, il y a toujours, de toute façon, au moins 1000 euros pour le deuxième depuis qu'on les a lancés. Et surtout, ce qui est très important, c'est que 125 euros, c'est une somme, mais vous pouvez qualifier tous les jours, il y a des sous-satellites à partir de 2 euros seulement. Donc 2 euros, ensuite vous gagnez un ticket à 15, etc. Vous montez les paliers comme ça, tous les jours vous pouvez essayer de vous qualifier. C'est vraiment accessible. Chartax qui met à tapis ses adversaires dans les blindes. Maintenant qu'il a 23 blindes, effectivement, il a plus de latitude. Gestini qui n'a pas encore passé. Gestini qui colle et ses tapis payés. Paire de 10 contre A7 off. Est-ce qu'on va avoir un premier sortant? Et oui, on a un premier sortant. Malheureusement, Gestini... Cette fois-ci, je me suis retenu, je n'ai pas dit sortant. Je voulais vérifier où elle est. Il était bien couvert, oui. Gestini, Yannick du hold'em Brest, Poker Kérouan, le Breton qui termine donc sixième pour 75 euros en tournoi. Donc, bravo à lui, surtout qu'en plus, s'il est là, c'est qu'il a remporté aussi d'autres gains tout au long de cette compétition. Donc, un grand bravo à Yannick. Et Chartax continue sa marche en avant. Il est bien chip leader désormais avec 27 blindes. Il a fait le trou, là, un petit peu. Chartax, c'est quoi son prénom? Il était représenté. Mais il reste encore un Breton. On a encore David qui est dans le coin. Exactement, David qui fait partie des short stacks désormais. Avec cette blinde, ça va être la bataille des short stacks un petit peu là.
Effectivement, Phoenix nous dit 3 tables finales en 3 ans pour le Oldham Brest Poker. Ouais, ils sont très actifs, ça c'est sûr, sur la compétition. C'est, avec le Poker Club Avranches, c'est deux clubs très très actifs sur toute la compétition des Texas Clubs. Romano qui est à tapis en SB, bataille de blindes contre Saxe, les deux plus petits tapis qui s'affrontent, et c'est passé par Saxe qui n'avait pas une main pour payer. Ça va être la bataille des shorts là. Effectivement, hein, T13, il y a une très grosse communauté poker en Bretagne. On le voit depuis qu'on organise les tournois à Pornic. Pornic, il y a un casino qui a été vraiment qui a mis beaucoup de choses en place pour le poker. François, ils ont un hôtel en face qui est tout neuf, une grande salle de spectacle qui permet de faire des beaux tournois de poker. C'est toujours plus agréable quand il y a de l'espace. Et puis, Étienne, notre collègue qui est là-bas responsable du poker. Et qui est là pour bien accueillir tous ces joueurs. Pornic. Exactement, à Pornic, on a une belle communauté de joueurs, on a une grande communauté, et ce qui est super agréable dans c'est la région, c'est le grand cœur des joueurs bretons, Pays de Loire, etc., les Nantais, le Mans, enfin, toute cette région, vraiment, tous les joueurs sont vraiment des amours, c'est vraiment très agréable d'aller là-bas. J'ai été sur le DSO à Pornic là, dernièrement, c'est vraiment toujours un bonheur de retrouver les joueurs dans ce coin-là. Et oui, le poker s'est vraiment beaucoup développé au casino de Pornic. Aujourd'hui, il y a des tournois réguliers. Ils ont des tournois 4 ou 5 fois par semaine. Ils ont des festivals TPS 250 une fois par an. Attends, il y a un tapis payé, on va en reparler juste après. Saxe qui est parti à tapis, roi 9 contre paire de 8, c'est un flip. Oui, le roi. Qui va doubler et ça va laisser David très short, totalement de parti pris, hein, François. Ah non, et David et pas du éliminé, tout. Malheureusement. Pas du tout. David, bravo. Allez, à lui. David, près de qui est de Rennes. Voilà, on a perdu nos Bretons, là, tous d'un coup, alors qu'on parlait d'eux. Bravo à toi, David. David qui termine 5e du Poker Club Avranches. On en parlait de ce club. 5e pour 100 euros. Effectivement, Pornic, on nous le rappelle dans le chat aussi, où on va retourner très vite parce qu'il y a un FPO by PMU. Qui va avoir lieu à la fin novembre. On nous a dit, lui nous a remis les dates, merci à toi. 20-26 novembre à Pornic, on y sera. Et il y a encore les stats, il y a les stats qui tournent toujours du FPO en ce moment. Bien sûr. Il me semble les satellites, c'est toute l'année. Hein. Toute l'année, ça tourne. Et les tournois réguliers, sous l'impulsion, on disait, d'Étienne, le responsable sur place. Vous pouvez rejoindre, je voyais comment on peut rejoindre la communauté de Pornic. Il suffit d'y aller, on a des tournois de poker toute la semaine, toute l'année, donc il y a de quoi faire du côté de Pornic. Les joueurs de l'Ouest nous demandent tout le temps plus de tournois. On fait ce qu'on peut. Déjà, il y a un très bel endroit. Et il n'y a pas de communauté particulière à Pornic, c'est juste une communauté des joueurs qui participent aux tournois. Hein. C'est des tournois qui sont à minimum 80 euros. Vous avez la grille de tournois qui est disponible sur texavocat.net. Il n'y a pas une communauté, c'est plus les joueurs qui vont là-bas, qui sont des joueurs agréables. Ils ont toute une petite poker room qui a été installée avec 3 tables de cash et 8-10 tables de tournoi. Et ça, c'est vraiment sympa, ça c'est bon. Chartax qui met Rico à tapis en bataille de blindes. Chartax qui est bien en avance toujours, puisque Sax, il avait éliminé un short stack, donc il n'a que 10 blindes. 7 blindes et demi pour Rico, 8 blindes pour Romano. Chartax qui prend ce petit pot en plus. Il nous parle plus dans le chat, on a compris, il est concentré. On va le laisser concentré, Chartax. Il a bien raison. Et cette fois, c'est le tapis en première parole de Saxe. Et c'est 10 blindes. Rico a passé, Romano aussi. Saxe qui va prendre un petit peu d'avance sur les deux autres short stacks. On va effectivement faire le tirage au sort du ticket à 10 euros. Et voilà, on a un Breton derrière moi qui fait coucou à tous les joueurs de Pornic, lui aussi. Et bravo à Petit Juan 99. Petit Juan 99, si tu es avec nous, envoie un chuchotement à Bacchus pour récupérer ton ticket à 10 euros que tu as remporté. Bravo à toi, Petit Juan 99. Eh oui, je suis ton avocat, il y a des qualifs, donc du coup, tous les mardis et tous les jeudis, à 25 euros, et tu as des sous-sat, il me semble, à 3 euros pour le 25 euros, et ça, on a tous les jours en permanence,
Et mardi, mercredi, il y a 6 tickets à 250 qui sont garantis. Mais tu peux... Ah, on t'a pu payer. Tapis payé. Chartakus qui a mis ses adversaires à tapis avec cascade contre Roi 10 pour Romano. Le 10 tout de suite. Et c'est le double up de Romano 33-44 qui a trouvé une main suffisante pour payer à tapis et qui va remonter à 10 blindes. Et Chartax qui avait pas mal d'avance, donc il est toujours tip leader avec ses 22 blindes. Et effectivement, aller dans le lobby PMU, regarder un petit peu, il y a des qualifications pour du live quasiment tous les jours entre le FPO, les tickets Texapo qui est à France. Et une info importante, Flo, ces tickets à 250, c'est un système de bankroll. C'est un ticket figé à 250€. Avec les tickets à 250, vous pouvez les scinder pour des tournois à 80€, à 100€. Voilà, c'est un système de bankroll, ces tickets. Voilà, si vous avez envie de vous faire kiffer et de jouer un FPO, vous pouvez mettre un ticket à 250 et rajouter la différence, effectivement. Ou les cumuler. Excusez-moi. Donc, ou les cumuler, vous ne perdez pas, vous ne perdez jamais d'argent. Rico qui se retrouve le plus short, lui qui a commencé chip leader de ce tournoi. Romano 33-44, qui part à tapis en bataille de blindes, c'est pas ça. Joue vite, lui, hein. Le deuxième, ça joue vite sur cette table finale aussi. Hein. C'est normal, là maintenant les tapis sont un peu réduits. Rico qui a trouvé une main pour faire tapis sur son coéquipier. Et c'est passé, ça se donne un peu d'air à Rico. Et n'hésitez pas, on va faire de la promo pour de la promo, hein, les Texaco Card Club Series. Si vous avez des amis au club qui veulent participer ou ce genre de choses, voilà, vous avez un lien d'affiliation qui a été donné à votre responsable de club pour rejoindre la communauté et pour avoir accès au tournoi. Alors là, c'est la fin de la saison et la saison prochaine, ça sera l'année prochaine, en janvier ou en février, comme d'habitude. Tout sera annoncé. Mais n'hésitez pas à communiquer avec vos amis qui veulent découvrir le poker ou qui sont des joueurs amateurs. Ah, on a un tapis payé. Sax qui est parti à tapis avec paire de 8 contre As-Roi, le flip traditionnel et le 8 tout de suite. J'ai cru qu'il allait avoir un petit renversement, mais non. Je me retiens, mais je suis très content pour Patrick. Sax 40. Patrick qui double et qui prend la tête, tout simplement. Comme quoi, là, il y a vraiment de la... Un double up et tout est reparti. Chartak qui est manque de réussite. Hein. Ouais, le gros flip. Hein, 60-40 et un gros flip, ouais. C'était inévitable, évidemment. Sax qui passe en tête et qui décide de limper. Intéressant en bataille de blindes pour voir un flop. Et là, désormais, tous ces joueurs, ils sont assurés de 150 euros quand même. Et le gap, il va être juste après en plus, hein, là, parce que les prix d'après, ce sont des tickets live. Un ticket live à 250€. Et pour les T€, ils pourront les utiliser pour les micro-series qui sont du 28 mai au 14 juin. Ça, c'est bien ça. C'est pas mal ça. Un très beau tapis. Un très bon fond. Allez, ça prend pour Chartax qui repasse devant. On va avoir droit encore à de beaux échanges, hein, parce que Chartax, il n'a pas dit son dernier mot. C'est Rico maintenant qui va devoir essayer de s'en sortir. Et bon, on a beaucoup parlé de Pornic, mais si vous êtes plutôt du Sud-Est, si vous êtes dans d'autres parties de la France, allez faire un tour sur le site texapoker.net, la page d'accueil, et vous pouvez voir tous les casinos partenaires et trouver un tournoi près de chez vous, puisque c'est la devise de Texapoker. Il y en a pour tout le monde dans toutes les régions. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Et surtout en cette période estivale, si vous voulez découvrir le poker, il y a beaucoup de choses un petit peu partout. Et oui, et c'est surtout que les casinos, la majorité du temps, sont près d'endroits où on va en vacances. Enfin, c'est tout bête, en mais plus. Ils sont sur le littoral, ils sont près de la côte. Dans les villes thermales. Un gros pot pour Romano, 33-44. J'ai pas vu la main de Chartak, il a payé, mais j'ai pas vu avec quoi. Alors, on n'a pas vu parce qu'on peut pas voir, nous, en tant que spectateur. Il n'y a que lui qui pourra nous dire. Il avait les rois, il s'est fait... effectivement, il s'est fait craquer les rois, là, par Romano. Chartak, qui va être en difficulté.
Il est contre Rico Pock. Et c'est un flip pour la survie de Rico Pock. Les 8 contre As-10. Oh, ah, c'est le gros flip qui gagne. Effectivement, il avait flopé en plus le tirage flush. Il y avait la straight possible, straight draw possible chez Chartax. Et ça prend pour Rico Pock ce flip. Chartax qui perd encore un gros flip. C'est lui qui va être le short stack désormais. Et Rico qui est repassé à 7 blindes. Et on parlait de manque de réussite, là, c'est 100%. Ouais. Alors là, ben, tu ne pouvais rien faire, Chartax. Préflop, il perd tout. C'est parti à tapis. Les rois, c'était joué quand même. C'était particulier. Il a limpé au bouton. Il a un peu cherché. Hein. Et on a 24KB08 qui nous demande quand est le retour des tournois à Lyon. Ça fait 2 ans qu'on entend. Et oui, Lyon, il va falloir attendre encore un tout petit peu. De ce que j'ai compris, les travaux ont été terminés. Maintenant, il peaufine un peu tout ça, le temps de reprendre la programmation, je pense, début 2024 à peu près, si ce n'est fin d'année. C'est vraiment intéressant cette finale parce que tu as vu, il n'y a pas genre le chip leader qui a avalé tout le monde. Alors, il a manqué beaucoup de réussite, mais les tapis, ils s'échangent vraiment de l'un à l'autre. Ouais. Exactement, ça se rééquilibre. Hein. Parce que là, maintenant, de toute façon, un coup, un double up et tout est relancé, vous l'avez vu. Chartax qui s'est montré très actif aussi, mais bon, on l'a vu au showdown, il a eu des mains. Hein, donc, c'était logique. Sax qui part à tapis au bouton qui couvre ses adversaires. Et c'est payé par Rico avec As-10, la pointure en dessous, mais le 8 tout de suite pour Sax. Et ça tient jusqu'à la river. Il jouait beaucoup de cartes pourtant, Rico. Rico Pock, malheureusement, qui va être le 4e de cette finale. 4e pour 150 euros. Bravo Rico, Rico de son prénom Eric, qui avait commencé large chip leader, il devait s'attendre à un peu mieux, évidemment, Rico, on peut le comprendre, il doit être un petit gros peu... Gros manque de réussite aussi. Hein. Mais bon, exactement, ça allait vite, il n'a pas pu faire grand-chose, et il termine donc 4e, et c'est Sax qui reprend la tête, David de son prénom. Patrick a été très très bon préflop, à chaque fois il était derrière, voilà. À chaque fois il a gagné. Franchement, il a un jeu préflop, il est magnifique. Exactement, Chartax qui assure le ticket à 250 euros. Il est content déjà dans le chat. Bah, bravo à toi, quoi qu'il arrive. Bravo à ces 3 joueurs. Bravo à tous nos finalistes. De toute façon, il a fallu de la réussite pour arriver là. Quoi qu'il arrive, c'est déjà très beau en free roll. Donc, un ticket 250 euros live, TPS, Texas Poker, à jouer sur n'importe quel tournoi Texas Poker PMU. Assuré pour nos 3 finalistes. Et il y a le ticket à 1000 euros à aller chercher. Et c'est bien serré, on va avoir du suspense en tout cas. Donc Patrick, Maxime, Romain iront au championnat de France en septembre. À partir de 0. Allez, on va réouvrir le tirage au sort pour un nouveau ticket. Un ticket à 20 euros cette fois. Si vous voulez gagner un ticket à 20 euros, il vous suffit de taper championnat de France tout attaché en minuscules. Dans le chat, n'hésitez pas, vous serez inscrit au tirage au sort et on tirera ça un petit peu plus tard. Championnat de France, tout attaché à écrire dans le chat de Twitch pour une chance de gagner un ticket à 20 euros. Chartax qui revient, qui a fait tapis là, qui revient à hauteur de Romano. De toute façon, là, n'importe qui double, c'est, ça prend le chip lead. N'empêche, ils sont serrés. Hein. Ils sont très, très serrés. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a moins de 10 blindes. L'average, là, il est à 13 blindes. Hein. Donc, il va falloir se battre pour ce ticket à 1000 euros. Excusez-moi. Tout ça. Open de Patrick et Chartax qui fait tapis. 9,8 blindes. Que va faire Sax 40. Il a open avec ses 20 blindes et il préfère passer. Joli. Bonne opération pour Chartax. Championnat de France, tout attaché en minuscule dans le chat pour gagner un ticket à 20 euros. Il y en a qui font des C majuscules à Championnat de France. Allez, bisous, t'as perdu. Il ne fallait pas de C majuscules. Allez, n'hésitez pas à écrire ça. Il
il faut retaper. Et si vous le retapez plusieurs fois, vous n'aurez pas plus de chances de gagner, mais bon, c'est sympa. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est ça. C'est inutile. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous venez pour le dénouement de cette finale des Texas Poker Club Series édition 2023, placée sous le signe des championnats du championnat de France de poker à venir au Pasino Grand d'Aix-en-Provence. On va se régaler après de vacances bien méritées. Ça va être une belle rentrée du côté d'Aix-en-Provence. On espère qu'il fera beau et que vous serez nombreux au rendez-vous. Et on met tout ça en œuvre avec des qualifications pour des mois, pour des très faibles coûts sur PMU.fr, en live aussi dans les différents casinos partenaires avec les festivals Objectif Championnat de France. Si vous avez manqué ces festivals, il en reste 4 aussi à venir cet été. Donc c'est l'occasion de vous faire un petit... des petites vacances poker du côté de Nice ce week-end, du côté d'Aix-en-Provence la semaine prochaine, ou du Havre, au choix, selon où vous êtes en France. Et enfin, du côté de Bandol, vous avez, donc c'est un main à 250 euros et il y a 80% du prize pool redistribué normalement et 20% en ticket, 1000 euros. Donc, c'est encore une super occasion de vous qualifier à très faible coût pour ce championnat de France qui arrive. On aura énormément de qualifiés. Et on parle de Pornic qui s'est beaucoup développé en poker. La prochaine Poker Room a beaucoup se développé en poker, ça sera le Havre. Tu vois, tu en as parlé tout à l'heure. Ils ont fait toute une installation dans une Poker Room avec des tables de cage, des tables de tournoi dans l'établissement. Et il y a des tournois qui vont commencer dans très peu de temps. Et il y a de quoi faire avec beaucoup de potentiel autour du Havre. Des très beaux petits tournois sur le Havre. Et aussi, parce qu'ils ont une grande salle de spectacle, de faire des beaux festivals. Il y a eu des très gros tournois au Havre sur les dernières années avec un ticket à 25 000 $ qui a été offert et gagné sur un tournoi. On ne citera pas le nom. Non, ça, on ne le citera pas le nom. Mais c'est beau. Il y a des beaux tournois. Il y aura des beaux tournois. Et ouais, et donc on aura l'objectif championnat de France au Havre la semaine prochaine. Hein, pour ceux que ça intéresse, c'est aller faire un petit tour au Havre. Et son main à 250 euros seulement pour gagner des tickets 1000 euros et... le prize pool redistribué normalement. Romano, qui est le plus short, qui a... Les deux autres ont creusé un peu un écart avec Romano. Romano, short stack depuis le début de cette finale, mais qui s'accroche, hein. Romain, le bordelais, qui est toujours là avec ses 5 blindes, il a gratté les paliers et il peut en gratter d'autres. Le coup développé entre Saxe, alors qui a mis beaucoup là, hein, qui a mis... une grosse partie de son tapis dans ce pot dame 9-8 avec deux trèfles. Alors, joli pour Patrick. 4,3 blindes. Que va faire Chartax? Et il prend sa time bank. Il préfère passer sagement Chartax. Sax qui repasse en tête. Il s'échange la première place depuis tout à l'heure. Là, Chartax, il est bien remonté. Il met la pression à tapis. As-Dame contre Roi-Dame. Il va falloir de l'aide à Romano ou ce sera une troisième place. Et c'est le cas. Bravo à lui, Romain du club Carte sur Table, qui prend la troisième place et qui prend un ticket à 250 euros live en plus de ce qu'il a déjà gagné dans le championnat. Bravo à toi, Romain. On tient notre heads up, François. Ouais, bravo, bravo, bravo Romain, bravo le Bordelais. Je suis content quand même pour Chartax qui n'a pas eu de chance depuis le début. Là, cette fois-ci, il était devant, il est resté devant. C'est bizarre quand même. Mais bon. Patrick contre Maxime. C'est donc le Casté Poker Club contre les vainqueurs. Le Sud-Ouest contre le Sud-Est, puisque Chartax est de Cannes. Donc. La bataille du Sud pour ce heads-up du Texas Poker Club Series. Et ça va être disputé, hein, parce que là, il y a 17 blindes contre 18 blindes. Ils ont le même tapis. Imagine que ce moment se joue quand même depuis début avril. Les compétitions ont commencé. Là, on est au heads-up. Donc, du coup, de ce fil rouge de cette finale, les joueurs se sont qualifiés soit sur le championnat, soit en gagnant des étapes de tous les championnats. Donc, il y a eu un système de repêchage, etc., etc. Mais chaque joueur qui a gagné une étape ou fait deuxième s'est qualifié pour cette finale. Ils étaient 58 au départ, 58 avec le repêchage.
avec les vainqueurs et runner-up de chaque étape. Et là, ils sont plus que deux. Ils jouent le titre de champion. Oui, c'est un tapis 2023. Envoyé. Tapis payé. Roi 9 off contre les dames. Les dames pour 5-40. Oh, la quinte flopée tout de suite. Et il y a encore. Et le full. Oh, river, le incroyable. Oh, quelle main. Qui donne la victoire à Patrick. Patrick, bravo, champion Texas Club. Quinte contre full pour terminer. Ce final, bravo à Chartax qui n'a absolument pas démérité, qui prend son ticket à 250 €. On espère que tu viendras quand même nous voir au championnat de France avec tous tes gains du championnat. Et un immense bravo à Patrick, notre grand vainqueur du Castet Poker Club. Tu remportes ton ticket à 1 000 € pour une épreuve du championnat de France. On te verra donc avec nous dans un mois. Énorme. Tax 40, grand vainqueur des Texas Poker Club Series 2023, François. C'était mon favori, je l'ai dit, c'est mon favori, Patrick. Je suis trop content pour toi, Patrick. Bravo, j'espère que tu viendras en fait. Il est là, il est avec nous, Pat 40 Poker. Ah, génial, il est dans le chat, bravo. Super, bah dis-nous, qu'est-ce que tu voulais Marie, jouer. Marie, elle doit être folle, elle doit être trop contente, Marie aussi. Qu'est-ce que tu je vas sais choisir qu'elle est un peu plus expressive que toi. Qu'est-ce que tu vas choisir comme épreuve, du coup, avant qu'on rende l'antenne et qu'on fasse le tirage au sort? Tu vas pouvoir nous donner cette info. Ou au moins, qu'est-ce que tu préférerais jouer? Parce qu'après, il faut avoir la disponibilité, bien évidemment. Mais on rappelle, il y a un 6 max en hold'em, il y a un heads up hold'em, il y a un 8 max en PLO et un 8 max en hold'em à la fin du festival. Ah, il nous dit plutôt le 6 max. Le 6 max, c'est un bon choix. Donc le 6 max, c'est du 7 au 10 septembre. Ouais, le premier week-end, la première semaine. Petite partable, 50 000 jetons, 40, 50, 60 et en finale 70 minutes. C'est une des plus belles structures en 6 max et c'est du 7 au 10 septembre. Donc, bravo Patrick, c'est énorme. Et bravo Guigui. Guy Guy 1984, c'est toi qui as remporté le ticket 20 € que l'on a mis en jeu sur ce stream. N'hésite pas à envoyer un petit message à Bacchus en chuchotement pour remporter, pour récupérer ton ticket. Et du coup, on va vous dire merci à tous de nous avoir suivis pour ce stream de cette finale. Merci à tous nos joueurs de club qui ont été au rendez-vous de ces Texas Poker Club Series, comme tu et disais, tous nos joueurs amateurs, depuis le mois d'avril, vous qui aimez jouer en free roll, qui avait juste envie de vous faire plaisir et on vous comprend. Et en une heure, timing énormément, parfait, voilà. Une heure, merci beaucoup Patrick. Timing. Effectivement, on vous dit à tous de très bonnes vacances puisque la PMU TV s'est en pause jusqu'à la reprise en septembre également. Donc, c'était le dernier stream sur PMU TV avant une petite pause bien méritée pour tout le monde. Merci à tous nos joueurs, merci à tous les clubs. Merci François, merci à Bacchus. À la technique, toujours présent pour vous faire vivre ces événements. On vous retrouve demain sur texapoker.net pour tous les résultats de cette édition avec évidemment le replay de cette finale pour ceux qui n'ont pas suivi. On vous mettra ça sur YouTube et on vous dit merci et à très vite. À très vite François, à très vite tout le monde. À bientôt, ciao. Merci à tous. Ciao.